Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons débuter une série d'applications pour tablettes ou smartphones. Alors, ça va être des applications de différents types, mais c'est des applications qui vont avoir toute une utilité différente et que vous pouvez installer sur vos appareils. Nous allons commencer aujourd'hui avec une application qui va vous permettre d'écouter des livres audio. Alors, ça va être que des livres audio qui sont dans le domaine public, donc ce seront des livres gratuits. Pour cela, ouvrez le Play Store. Dans la barre de recherche en haut, recherchez livres audio. Je recherche avec la petite loupe en bas à droite du clavier. Et donc, dans toutes les listes qui vous sont proposées, moi, celui qui m'intéresse, c'est livre audio proposé par Book Design. Je clique dessus et je peux faire installer. Mon application est installée, je peux cliquer sur ouvrir. À la première étape, il va vous demander de choisir les langues. Donc le français est coché par défaut, mais si vous souhaitez des livres en anglais, il vous suffira de cocher également l'anglais. Je peux cliquer maintenant sur OK et vous avez des catalogues qui vous sont proposés. Alors, si vous voulez avoir tous les thèmes de livres qui vous sont proposés, tout au bout de la ligne catalogue, vous avez un plus. Donc je peux dire OK. Si j'appuie sur la petite flèche qui se situe au milieu de votre écran en haut, je peux choisir par genre et je vais avoir tous les genres de livres qui me sont proposés. Par exemple, si je vais sur les fictions enfants, ouvrir, je vais trouver par exemple La Belle et la Bête. Si je clique dessus, vous avez un résumé de l'histoire, la durée de celle-ci. Si je fais lecture, donc c'est le petit bouton qui se trouve en bas à droite de votre écran, alors je vais mettre du son à ma tablette. Donc si j'appuie sur lecture, il charge. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, première partie. Dans un pays fort éloigné de celui-ci, l'on voit une grande ville où le commerce florissant. Donc là, vous avez la lecture de votre histoire. Si je reviens en arrière avec la flèche qui est en haut à gauche, donc livre audio, donc là, j'ai les livres récents. Si je descends catalogue plus, je vais pouvoir aller chercher d'autres types d'histoires. Par exemple, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Vous avez un catalogue qui est assez fourni. Souvent les livres sont découpés en plusieurs parties. Ensuite, à vous de les écouter dans les transports, chez vous. Nous en avons terminé pour cette application. Demain, nous enverrons une nouvelle. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.